Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode sur une agriculture biologique. Et donc, du coup, aujourd'hui, eh bien, je suis en train de faire mes mises en palette. Alors, pas évident du tout cette chiasserie de loup, parce que les tapis ne veulent jamais se mettre comme je le souhaite. Et ils arrêtent d'aspirer aussi sec. Donc, c'est pénible. C'est pénible, c'est pénible. Ça ne va pas du tout, mon affaire. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Alors qu'est-ce qui est trop loin celui-là, qu'est-ce qu'il me veut? C'est toujours cassé, ça s'arrête tout le temps. Bon, alors, c'est pas forcément très réaliste ce que je vais faire, mais bon. J'ai pas trop le choix. Ça veut jamais aller en fait. Le truc bouge à force tout le temps, tout seul comme des grands. Donc c'est assez pénible. Tiens, voilà. En fait, quand je vais relever, il va plus prendre, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ah, c'est le bordel, hein. C'est le bordel, c'est le bordel. T'as intérêt d'être minutieux, sinon c'est bourre. C'est mort, c'est mort. Fermez les yeux, messieurs, dames. Je pousse. Ah, il veut pas, bordel. Si, ça y est. Là, mais il reste à ta place, fumier de lapin. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu le boxon. Donc, j'ai eu un petit souci avec, justement, du matériel du DLC Grim. C'est-à-dire que... C'est bon, ça prend, là? Non, ça prend pas. Ah, ça m'agace, c'est terrible. Donc j'ai dû faire des marches avant, marches arrière, machin, ceci, cela. Il n'y a jamais de fin. En fait, vous savez le convoyeur, parce que là j'ai pris le gros tapis qu'on a d'origine. Vous savez, le petit convoyeur où on décharge la benne dedans. Et bien, il se trouve que. Alors je sais pas si c'est un mode qui fait conflit ou autre, mais il a bugué pour moi. Et je pouvais pas. Enfin, le convoyeur refusait de mettre les patates dans la machine. Donc du coup, j'ai été rechercher le tapis d'origine. Et heureusement qu'il était là d'ailleurs, parce que autrement j'étais dans la med. Dans la med, dans la med. Alors je pense que je vais finir par faire au godet parce que sinon demain on y est encore. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la moitié de la vidéo comme ça. Et l'autre moitié, on partira faucher l'orge parce que oui, je rappelle que j'ai encore l'orge à faucher. Et du coup, mettre le couvert végétal après. Je vais mettre le couvert végétal. Alors je sais pas trop quand je vais me démerder. Je sais même pas si ça vaut le coup que je le mette, le couvert végétal d'ailleurs. Pour l'instant, en fait, tant que j'ai que les vaches, ce que je vais faire la même rotation de culture que chez moi IRL, c'est-à-dire blé, orge, maïs. Et une fois que j'aurai les gourris et tout le plein de soins, on mettra un peu plus de choses, mais sinon, à la base, je vais tâcher de rester là-dessus. Et puis voilà. Alors il y a autre chose aussi qui va pas avec ce DLC, voilà, c'est ce que vous voyez là actuellement, c'est les palettes. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Ou alors c'est juste moi qui suis handicapé avec les palettes, mais ça ne me surprendrait pas. Ça a toujours été le cas sur Farming, et je crois bien que c'est de pire en pire. C'est du pire au pire. Donc du coup, en fait, à la base, j'avais commencé de mettre en palette. J'étais pile poil à l'endroit où j'allais stocker les palettes. Et au fur et à mesure que le tapis recule, le tapis avance, le tapis recule, le tapis avance, c'est tout le bordel, ben je me retrouve à cet endroit-là. Donc je suis bientôt au fond de la cour. C'est le bordel. Et ça va le faire. Donc j'en ai déjà une sacrée triple tail. Hop. On va essayer de se. Ah putain, pour une fois, elle a réussi à s'en aller toute seule, dit. C'est pas souvent. Et donc me revoilà couillonné, quoi. C'est terrible ça. Hein. C'est terrible. Tu peux pas prendre des patates un peu? Tu me saoules. En fait, je fais des petites réserves à coups de tapis. Ah, je sais pas si je pourrais prendre le godet ou non. Je pense pas que ça vaille le coup, moi, mais bon. Je ne sais pas. Allez, Awal. Parce qu'il fait quand même un bon trou à la fois tout seul comme un grand, là. Donc, je sais pas si ça vaut le coup. Donc, pour l'instant, je vais rester là-dessus. Ça va pas trop mal, hein, je vais pas m'en plaindre. Mais c'est chiant, c'est vrai que c'est chiant. Du coup, on se retrouvera ce soir pour Snow, voilà, pour la suite du pic du gros saumon. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la map. Et on va tranquillement avancer. Et puis voilà. Demain, il y aura peut-être une vidéo autre que Assassin's Creed. Vous verrez demain. Parce qu'il y a un jeu quand même sur lequel moi j'ai bien flashé. Alors il n'y a pas que moi, il y a Papy. Et donc, du coup, on a réussi à faire venir Chris dessus. Qui avait une très mauvaise opinion du jeu et il a dit que ça avait un petit peu changé depuis qu'il y jouait. Il s'agit de Valheim, le jeu qu'on a fait samedi après-midi en live. Et très bon jeu. Pour vous donner un petit peu
Un jeu qui ressemble, on va dire, que j'ai déjà fait sur la chaîne, même s'il ressemble pas à 100%. Celui qui ressemble le plus, ce serait Ark. Puisque le principe du craft et tout toin-toin reste le même. Sauf que là, il n'y a pas de dino. Il y a des espèces de bonhommes qui vous courent après. Des sangliers, il y a des trolls. Enfin voilà. Mais le principe reste le même. Tu peux même tamer des animaux. Tu peux même tamer des cochons. J'ai appris ça hier. Et franchement, pas mal le jeu. Alors, ce qui lui fait le plus défaut, bien sûr, c'est le graphisme. Mais j'ai envie de dire, j'aime autant que le graphisme soit moins bon et qu'il n'y ait pas de problème de lag et tout le soin, plutôt que l'inverse, que les graphismes soient magnifiques et que le jeu lag comme un gros cochon. Donc, moi j'aime bien le jeu. Pour ceux qui n'auraient pas vu la découverte, je vous invite à aller la voir. Et je pense qu'on va en faire un petit peu de temps en temps. Que c'est un jeu sur lequel moi j'ai bien accroché, Papy aussi d'ailleurs. Et puis il y a moyen de passer de très bonnes heures dessus. Alors bon, voilà, comme j'ai dit, ça sera pas réaliste pour décharger les palettes parce que c'est impossible. Ou alors c'est un coup de chance. Et encore, je suis gentil. C'est terrible. Les palettes, elles musent. Et c'était déjà le cas sur FS17. Alors c'est moi qui dois être handicapé, je pense. Allez, charge la mule. En fait, ça fait un gros godet, le tapis. Heureusement qu'il se déplace. C'est pas plus mal. Il y a même un gyrophare dessus, j'avais même pas vu, mais le petit gyrophare qu'elle a, là, c'est marrant. J'aime ce. J'aime ce, j'aime ce. Allez, vas-y, charge. Hop. Bah, les deux palox doivent être pleins, je crois. Je vais essayer juste de vider ceux, de le recharger pour après. Ouais, il n'y en a plus guère, hein. Je vais pas m'amuser à aller chercher un godet ou à faire tout un tas de bordel pour ça. On va faire encore quelques minutes. Et puis après, on va basculer sur l'orge. Il y a déjà la benne et le tracteur qui sont au champ. Il ne me reste plus qu'à emmener la machine et commencer tranquillement à faucher mon orge de printemps. Alors, IRL, l'orge de printemps, ça se fauche avant la fin d'été, bien sûr. Mais là, comme on a commencé il y a très peu de temps, la première année, vous savez que les dates ne sont jamais les bonnes. Et du coup, on verra pour la deuxième année. Mais en tout cas, c'est le Géofrance que j'ai. Donc, je pense que la deuxième année, ça devrait être un peu plus en place. Normalement. Ah! Ah, c'est une misère. Je déteste ces pinces à palettes de mort. Enfin, c'est pas les pinces à palettes, je déteste les palettes. C'est terrible. T'es whip, t'es whibble. Hop. Et donc du coup pour mercredi, bah mercredi je vous laisserai le choix, on en reparlera tranquillement ce soir en live si on fait du raft ou si on fait du valheim. Ça changera un petit peu. On verra, c'est les gens du live qui décideront tranquillement ce soir. Mais moi personnellement les deux me vont. De toute façon normalement on a Papy quoi qu'il arrive. Normalement, à part s'il nous rechoppe une grosse chiassouille ou autre chose. Bah alors tu veux pas décharger Roger? Qu'est-ce que tu fais ma chérie? Mon Dieu, j'aurais jamais dû faire ça. Allez, décharge. Mais sinon non, le DLC est bien sympa. En tout cas, les trucs pour récolter. Là, un peu plus compliqué avec ce machin-là. Bon, je suis pas en place correctement. En fait, il aurait fallu que je vide directement avec la benne devant, sauf que je ne savais pas que le petit convoyeur ne fonctionnerait pas. Donc du coup, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai bricolé comme j'ai pu, et puis voilà. Mais ça veut jouer. Ça veut jouer, ça veut jouer. Tranquillement. Du coup, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir enfin, ces deux palettes-là déjà. Et après, on va peut-être partir sur l'orge. J'ai bien du mal de m'en servir. Ah oui, je suis au clavier aujourd'hui, je pense que ça se voit. En fait, sur Valheim, une nouvelle fois, il se trouve que le volant est pris en compte sur le jeu. Et donc, du coup, mon volant fait conflit avec le reste, bien sûr, parce que c'est pas un jeu qui se joue au volant. Et je l'ai pas rebranché depuis. Bah, depuis samedi, du coup. Parce que comme on torche un petit peu, alors on torche. On y joue un petit peu hors ligne, du coup ça vaut pas le coup que je débranche, je branche sans arrêt. Ça va être plus chiant qu'autre chose. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas rebranché, il faudra que je m'en occupe.
Alors oui, j'ai mis mon matériel un petit peu comme un gros dégueulasse au milieu de la cour. En fait, j'ai tendance à faire ça IRL parce que IRL, moi, j'ai pas des bâtiments pour stocker l'un à côté de l'autre tout le long de l'année, etc., etc. C'est un peu de l'empilage. Donc du coup, j'ai tendance à faire ça l'été, c'est-à-dire que je sors le, bah, l'été. Ah bah bravo, très réaliste. En plus, elle s'est posée correctement cette andouille. J'ai tendance à sortir le matériel comme ça, je le mets au fond de la cour. Et au moment où on s'en sert plus, bah, on remise et puis voilà. Mais j'aurais pu le ranger un peu mieux que ça, mais c'est pas grave. Je pensais pas faire les palettes jusque à cet endroit-là à la base. Ça ajoute un peu plus de difficulté. Hop. Alors du coup, si t'enlèves pas cette palette-là, ça se remet pas en route. T'as beau enlever l'autre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon, alors, plein de patates à vendre. Je crois que le meilleur prix, ça doit être au printemps, premier jour, je crois, premier jour ou deuxième jour. Donc du coup, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le joint d'air ici. On va aller chercher la machine. Je vais tout éteindre le boxon. Je finirai tranquillement hors ligne. Ah, propre. Non, mais pas partout, gros cochon. Si vous entendez, c'est normal, oui. Alors, on va essayer de se débrouiller. Ah bah bien, on a vu là-dessus. Alors. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une moissonneuse, adieu. Non mais même, bah, je l'ai fait depuis, hein, je t'ai pas attendu. Hein. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a rien du tout à raccrocher. Oh, c'est bon. J'ai cru. C'est parti mon kiki. On va essayer de planter le bordel. Jamais fait gaffe, on a des rétros là-dessus. Oui, on a des rétros qui servent comme d'habitude à chaque fois. Donc on va essayer de se débrouiller. Ah, je pense qu'IRL ça doit rouler à peu près à cette vitesse-là, cette machine-là. Donc bon, je dois être à peu près dans les clous. Et c'est reparti mon kiki. Du coup, on a deux champs à faire. Bon, alors on va commencer, on n'aura pas fini aujourd'hui, bien sûr. Mais on a deux champs à faire tranquillement. Et donc du coup, je suis censé mettre du maïs après. Ah si, bah, je vais mettre un couvert végétal. Si, si, si. Ça va le feu. Je vais mettre un petit couvert végétal tranquillement, qu'on relèvera au printemps pour semer le maïs. Et puis voilà, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Alors ici, t'as intérêt d'aller pas trop vite parce que... Mon Dieu, le chemin, il est cassé où? Je vais tout perdre le bordel derrière dans un moment. Oh, vain Dieu, vain Dieu, bon Dieu, vain Dieu, se secouer, c'est terrible. On se fait secouer, on se fait secouer. Du coup, pendant que j'y pense, j'ai récupéré mon serveur, enfin, pas mon serveur, mon compte. Parce que c'était directement mon compte cette fois-ci. J'ai récupéré mon compte Nitrado. Donc, je vous promets rien pour mercredi parce que j'ai tout à re-upload. Hein, tous les modes, etc., etc. Mais pour vendredi, on devrait être OP pour repartir avec les autres tranquillement. Et donc du coup, l'idée de map de Chris. Je suis pas allé voir sur la map, j'ai juste vu le PDA. J'aime pas autre. Mais faudra voir. Alors tiens, bon, te casse pas la gueule dans la branche. Dans les branches. Faudra voir sur la map, je vais aller faire un petit tour dessus parce que je vais pas tenir compte du PDA. C'est moi qui leur ai dit de choisir la map cette fois-ci, donc bon. Je vais tâcher d'aller voir correctement avant de dire oui ça me plaît ou non je veux pas cette map-là. Et moi j'avais deux idées de map et on verra si c'est pas celle que Chris propose, ou vous saurez pas, hein, apparemment le jour J. C'est pas celle que Chris propose. Ce sera une autre. Une autre, je sais que Chris, il aime. Alors du coup, voilà. Celle-là aussi, elle glisse quand elle est à l'arrêt? Lol. Je sens que je vais me faire couillonner. Ah, oh, c'était sûr. Mais même en levant, je crois. Hein. Non, si. Je suis dans un trou. Bon, fermez les yeux, encore un coup. Je vais essayer de me débrouiller. Mais misère! En fait, déjà, de base... même sans le trou, c'est déjà limite. Hein. Et donc, du coup, avec le trou qui était là, c'est pire. C'est pire, c'est pire, mais bon. C'est comme ça. Donc, on passe limite dans le chemin. Heureusement qu'on n'a pas plus gros.
Heureusement, heureusement. Est-ce qu'on a la coupe en rondin? Désactiver la coupe en rondin. Non, mais c'est bon, il y est. Merde, descend pas de la machine abruti qu'on finit. Au pipi. Et on est parti, mon petit. Alors, je pense qu'avec des vieilles machines comme ça, tu moissonnes à 6-7. On va dire 7. C'est déjà bien, hein, 7. On va dire plus 6, mais bon. On va dire 6, voilà. Alors, le truc qui est bien avec cette machine-là, enfin, j'aime bien les anciennes machines, vous le savez, ça c'est pas d'aujourd'hui. Mais le truc qui est un peu moins bien, c'est que t'as une barre de coupe qui est pas si, qui est assez récente comparée à la machine qui est assez vieille. Donc, et j'ai essayé de mettre, vous savez, on avait une autre John Deere il y a pas longtemps, sur une agriculture réaliste, où on pouvait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je crois qu'on pourrait déjà rajouter une cabine dessus. Et du coup, c'était des barres de coupe aspect vieille. J'ai essayé de mettre les vieilles barres de coupe sur celle-ci, ça passe pas. En fait, tu peux l'accrocher, tu peux pas la lever. Donc du coup, voilà, j'ai testé histoire d'eux, mais c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et bah, du coup, on est parti, tranquillement, mon kiki. On va se prendre un peu de poussière dans la gueule. Alors, heureusement qu'on fait pas comme ça IRL avec notre propre machine, parce que je rappelle que je suis allergique à cette bestiole-là, et que j'en fais chez moi de l'orge. Donc, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, c'est un peu embêtant. Alors, je pense qu'il y a moyen de tourner comme ça, IRL, propre, Justine, propre, propre. Et du coup, bah depuis ce matin, il neige. Il y a une neige, la retour de la neige. Alors, est-ce que vous en avez chez vous? Est-ce qu'elle a tenu déjà? Est-ce qu'elle a tenu? Est-ce qu'elle a tenu? Parce que moi, pour le coup, il en tombe depuis ce matin, depuis 5 h du matin. Au départ, elle tenait, maintenant, elle tient plus. C'est la merde. J'aurais bien voulu qu'elle tienne. J'aurais bien voulu. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, Roger. Hop. On va essayer de faire ça comme ça. Je sais pas trop si tu peux hein, faucher en tournant comme un gros cochon IRL. Mais... Au foie, j'ai jamais conduit de machine. Puis, en règle générale, l'entrepreneur qui vient, je regarde rarement ce qu'il fait. Je suis toujours occupé, en règle générale, quand il fauche. Faut bien que je fasse les voyages. Je pense que tu peux faire en tournant un petit peu, mais pas à fond de cale comme un gros sac parce que t'arraches tout. T'arraches tout, t'arraches tout. Bref, j'ai pas d'autres sujets particuliers à dire aujourd'hui. Faut que je trafique le cerf. Je voudrais bien lancer un peu dans les vidéos parce que si je peux, bien sûr, si je peux, je ferai peut-être un live de journée cette semaine si ça me tente. Enfin, c'est surtout le temps que j'ai. Parce que bon, là. Avec le temps qu'ils annoncent, de la neige aujourd'hui, puis demain, je crois. Et puis après, il y a encore un temps de mer toute la semaine. Donc voilà. Et en fait, je vais tâcher de tourner la vidéo de demain, la vidéo de jeudi, aujourd'hui, si je peux. Et mercredi, on verra bien. Suivant, soit l'autre serveur s'il est prêt, ou soit une présentation de map, ou autre, hein, on ne sait pas. Du coup, moi, ça me ferait de l'avance. Et en fait, je fais ça depuis 15 jours, je crois, je tourne. Le lundi, je tourne la vidéo du lundi, du mardi, du jeudi. Et le mercredi, je tourne la vidéo du mercredi. Et en fait, le vendredi, je garde toujours pour la présentation de map, au cas où qu'il y ait une map. Et le samedi, pour la présentation de mode, si toutefois il y a assez de mode. Donc voilà un petit peu comment je procède dans ce moment. Donc on ne sait jamais, on verra bien. Suivant le temps que j'ai. Suivant le temps que j'ai. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais bon, si je peux, je ferai peut-être comme ça. On verra. On verra, on verra. Du coup. Alors même les petites machines te font des gros andins. C'est quand même incroyable ça. Vous pouvez pas me faire des petits andins? Parce que moi j'ai une petite presse. Et ouais. Et ouais. Pendant que je fais l'andouille avec la gosse. J'ai une petite presse. Et donc du coup, je sais. Enfin, j'ai vu. Certains qui m'ont donné leur avis. Vous avez pas mal apprécié Snowtopia. C'était le live de vendredi, ça. Et on en refera, bien sûr. Je voudrais bien qu'ils collent des. Alors pour l'instant, ils règlent. Ils me font des mises à jour, mais pour régler les bugs. Du genre, vous avez le skieur qui descend toute la piste à plat ventre. Ça, ils vont le régler. Je pense, en tout cas, j'espère. Enfin bref, avant de rajouter du contenu, je pense que ça doit se passer comme ça normalement. Mais bon jeu hein, quand même, on rigole bien dessus. Ce qui est bien avec ces jeux-là, c'est que j'ai le temps de vous parler dans le chat.
Et puis voilà. Et puis Valheim, bah, comme j'ai dit, moi j'ai accroché. En fait, tout ce qui est jeu de craft, survie, des trucs à la con comme ça, j'aime ceux. Donc j'ai bien accroché sur le jeu. Et je sais qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui ont bien aimé, alors d'autres peut-être pas, bien sûr. Mais je pense qu'on en fera aussi tranquillement. Du coup, moi j'ai rattaqué une partie privée quand je suis hors ligne. Et la partie qu'on a fait samedi en live, je la garderai pour quand on fera quelque chose dessus. C'est-à-dire ben demain si je fais une vidéo dessus. On verra. On verra, on verra. Alors ça, c'est emmerdant, mon petit. Et Juju, alors on va pas dire que Juju est dégoûté d'avoir la gosse, hein, bien sûr, pas loin de là, mais en fait il n'y aurait pas la petite Juju, elle voudrait bien jouer dessus. N'est-ce pas, Roustine? Oui. Alors du coup, on va tâcher de tracer et chercher la benne, alors faut... Oui, comme ça tu... Kathleen jouera aussi. Peut-être pas sur ce jeu-là, mais... Quel est con. Bon, alors faut qu'on fasse tout le tour du champ. Ah, misère, je pensais qu'on allait pouvoir faire le tour. Misère de misère. On va vider tranquillement dans la benne. Et puis après, on va se laisser là pour aujourd'hui, messieurs, dames. Et puis voilà, on se retrouvera bah, ce soir pour Snow. Demain pour Valheim, normalement. Alors, je vous fais le programme de la semaine vite fait quand même. Mercredi pour du farming. Donc, sur quoi je pense ça sera sur cette partie-là. Il y a de fortes chances. Si j'ai le temps d'avancer, bien sûr. Mercredi soir, donc voilà, je vous laisse le choix entre Valheim et Raft. Jeudi, il y aura du Assassin's Creed. Vendredi, il y aura du farming. Sur quelle partie? Là, par contre, je ne sais pas du tout. Vendredi soir, ça dépendra de vous. Avec le live de vendredi où c'est pas fait exprès, on est parti sur Snowtopia à la place de Farming. Ce qui est assez cool, j'ai envie de dire, c'est que personne m'a réclamé du Farming quand on était en live vendredi. Et ça, pour une fois, j'ai envie de dire, ça me va très bien. Ça m'a bien fait plaisir d'ailleurs. Voilà, tout ça pour dire qu'on peut vivre sans Farming. Hein, bien sûr, enfin, vivre sans. J'aimerais faire d'autres choses, quoi. Donc vendredi, normalement, c'est du farming. Mais si vous voulez qu'on fasse autre chose, on fera autre chose. Là n'est pas le problème. Pourquoi ça veut pas vider cette cochonnerie? Normalement, ça vide tout seul, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai, je me rappelais pas qu'on pouvait replier ça. Lol. Mais pourquoi ça vide pas? Ça vide pas, Roger. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que ça me fait ça. Décharger ici. Ah, mais j'ai peur que si je dis. Ah d'accord. J'étais pas dans le trigger de la benne. League of Legends. Bah celle-là, je m'y attendais pas. Et puis du coup, voilà. Puis samedi. Bah samedi, une présentation de mode en temps normal. Et samedi soir, ça s'inscrit, je pense, comme d'habitude. Et puis dimanche, SnowRunner, comme d'habitude. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve ce soir, messieurs, dames, pour du SnowRunner avec les autres. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!